Maman, elle m'a dit que t'avais déménagé ta boîte à La Courneuve parce que t'avais des problèmes avec les impôts. Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros. Ah, excusez-moi, faut que je les paye. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À La Courneuve. Ah oui, quand même. 27% de chômage des jeunes, une incivilité toutes les 20 minutes. Putain! À ta place! J'ai le temps! Vous êtes quoi là? Je sais pas, il me fait peur lui aussi là! Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens vous. Mais non, mais c'est. Oh, putain, mon Fredo! Je vous présente Samy qui a la gentillesse de nous faire visiter La Courneuve. Ça a l'air d'aller con. Pardon, ce qu'on est? Je te préviens tout de suite, j'ai rien à voir avec toi moi. Fred m'a demandé de vous donner quelques conseils sur le quartier. Si une fille vous plaît, vous pouvez faire ce son là. Viens voir! Et pour le recrutement? Vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche. Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail. Mais c'est l'autre, son associé, là. Il faisait genre j'avais pété des queutrues alors que j'avais rien fait, moi. C'est pas WAM. Ok, c'est bon. Ah oui. Merci. Samira Bellarvi, c'est pas vous. Bah non, c'est ma femme. Elle a pas pu venir, c'est ça? Si, mais moi, je viens d'abord, comme ça, je regarde si tout va bien, tout ça. C'est elle qui va venir travailler, c'est pas vous? Bah oui, bien sûr, on est ouvert, quand même. On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre. Mais c'est pas un petit souci, ça? Ah oui, c'est très très grave. Mais je sais pas d'où il vient cet argent, c'est ça le problème. Mais... Quand tu vas à la banque, toi, tu demandes d'où vient le pognon, non? Même si c'est pompe, là aussi. Ça te va bien la banlieue, toi, tu gagnes en humour. Je voulais savoir si tu voulais peut-être venir déjeuner avec moi ce soir. Mais j'ai dit une connerie, qu'est-ce qu'il y a? Ce midi, c'est déjeuner. Dîner, déjeuner, fluncher, c'est de la nourriture, on mange, quoi. C'est génial. Alors la cohabitation, ça se passe bien? Oui. Fais juste attention à pas laisser traîner nos affaires, quoi.